la fine équipe au rapport. Ça va Marina? Non, c'est pas une abeille, c'est une guêpe, mais non, on est pas dans la vie. T'as le câble au réseau? Oui. Okay. Lumière, c'est le blanc. Franchement, s'ils ont le cœur pur, ils le verront. Tu crois? Je vais faire bicolore. Je pense qu'il faut que tu le fasses en jaune fluo là. Ah ouais, mais carrément là. Ah ouais, carrément. Ça marche grave. Mon plan est parfait. Il fallait prendre du tag. Surtout qu'il y en a. Regarde, il y en a un juste en dessous. Hein. Franchement, moi je pense que ça marche. Bah, tu crois? Si on a le cœur pur, ça marche. Et surtout qu'il n'y a pas d'intersection donc. Donc à mon avis, je suis droit à la pêche. Regarde. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est descendu la dernière fois, je me rappelle. Non, je pense que c'est bon. C'est bon. Ouais, on n'est pas perdu, ça va. Mais je fais moins de pêche, quoi. Mais le nombre de pêches, ça réduit d'un coup. On regardait pas, ouais. On est perdu. Alors vous avez tous bien réservé pour le live de ce soir, la grotte aux œufs, mais on ne trouve pas la grotte aux œufs. On était tous en train de recevoir ces codes d'information qui remontaient par les grottes et les tunnels qui sont sous le lieu où nous étions arrêtés. Et là, l'équipe de tournage est redescendue. En fait, ils sont revenus vers nous alors qu'on les avait perdus de vue depuis un moment. Et en nous disant, bah non, on s'est trompé, c'est pas le bon chemin. Et il faut redescendre plus bas. Et en fait, on venait de recevoir l'information qu'effectivement, le chemin était un peu sur la gauche. Et donc, c'était complètement cohérent. Et ce qui était rigolo, c'est que l'équipe de tournage et nous, on devait faire corps, en fait, pour pouvoir tous ensemble recevoir ces informations. Et nous étions 18. Piou. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est magnifique là. T'as vu avec les... Donc, casser la ligne. Toc, hein. Toc. 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 Ok. Si tu l'attrapes pas, il va enfin sur la gueule. Oui. Oui, c'était comment le truc? Et du coup, quelqu'un va rester ici. Mais non, puisqu'on a la foi. Et si on l'obanne, tu vois? C'est bon, ça suffit. Non, c'est trop. C'est trop. Ça suffit. Regarde, ça suffit. Là, le petit là-bas. Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, je l'obannerai avec une grosse pierre et tu le laisses au sol. Ah oui, on va en mettre une dessus, c'est sûr. Même plusieurs. Ouais, voilà. Là, tu peux les batteries, parce que moi, ouais, on va creuser. Joe va creuser. Qui a pris une pelle? Joe, il veut creuser un peu. Faut terrasser là, c'est ça, un peu là. Non, mais en vrai, il faut creuser un peu. Hein, je dis. Ça m'énerve. Non, là, c'est trop bas. Non, ça marche pas. C'est moi qui t'avais dit. Non mais moi je vous dis, on plante les pieds d'en haut. Tu mets un lest et tu l'obanes et ça bouge pas. Faut avoir le Starlink. Là en fait il faut juste mettre un tender. Il faut une autre pierre et mettre un tender. À la recherche d'un gros caillou. Ouais. Je peux pas bouger. C'est parce que ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Merci. J'ai trouvé un gros caillou. Ok. Et ça c'est pour toi Mathieu. Dans une des prises. Voilà. Là, et maintenant, il nous faut un caillou et un tender. Les tenders, ils sont où? Je sais pas où vous dire, les gars.
Alors, tendeur. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, j'ai l'appli. Dis-moi que t'as une sortie HDMI. Elle a pas besoin d'une sortie HDMI. Et pour avoir l'écran, comment elle va faire? Elle a pas l'écran. Ah oui, c'est pour l'heure du tir. Ah d'accord. Non, non, elle va brancher le boîtier vidéo direct. Avec un HDMI? Non, avec un USB-C. Okay. Et elle a en fait l'USB-C orange qui est quelque part. Ok, ok, on va le trouver. J'espère que j'ai pris l'USB-C. Alors, n'importe quel côté. Ouais, t'es pas mal. Là, t'es max. C'est bon? Ouais. Là, on peut avoir le câble et tout. T'as un bon internet, toi? On va faire comme ça. Tu veux que je te regarde? Pas le... Ok. Alors, celui-là, ça va être le sien. Et moi, je vais descendre là-bas. Ok, on est sûr d'être bien branché. Attends, regarde le petit display. Ouais. Display, c'est bon. Display. Donc, limite, Mathieu, je veux bien que tu descendes avec Joe. Avec chacun votre HDMI. Tu verras, ça crée des liens. Par contre, vous mélangez pas. Je sais que c'est tentant. Ça, c'est bon. Tiens, regarde. Et alors, c'est de la fibre optique, faut jamais que ça se plie. Ok. Un euro, enfin d'origine. Ok, caméra, c'est réglé. De toute façon, j'étais prête à descendre sur les pieds. Bah oui, dans la petite. À chaque fois que j'ai fait des escalades, alors j'étais moins doux. Tu veux passer, Joe? Oh, ça va, tu passes. Mais par contre, Mathieu, j'ai peur que ça te remorche. Déjà, la tenir, ça sera déjà vraiment pas mal. Hein. Il n'y aura pas besoin de faire de nœuds si jamais. Si on est trop à la bourre, on fait pas de nœuds. Si on est trop à la bourre, on fait pas de nœuds. On sera jamais à la bourre, on n'est jamais à la bourre. Non. On est déjà à la bourre. Nathalie, on a tout décalé de un quart d'heure, une demi-heure. Oui. Voilà, on a mis un message, on décale tout. Ok, parce qu'il est quelle heure maintenant? Il est 16h. Caméra 1, caméra 2, c'est bon? Oui. Il n'y a pas d'écho? Non. Je vous attends comme le retour de mes enfants. Il faut quelqu'un dans la cuisine. Venez avec vos œufs et je les bénirai. Et presque deux personnes. Venez à moi et recevez les bénédictions que je vous envoie depuis l'espace sacré de mon cœur d'or en amour. Non, j'ai mieux. Vas-y. Alors, j'aimerais. D'accord, ce qui vient comme message là. Je demande à la grotte ce dont elle a besoin. Je les note sur mon téléphone. Tu les envoies, ouais, ou je sais pas, ou tu me fais une photo. Ça dit que chacun qui est présent, qu'il s'inscrive ou non, se mette en reliance. Très bien. Avec ce grand dragon stellaire, ce grand dragon. Alors comme alors l'équipe est en haut, il y a Sydney qui relaie. Vous ne voyez pas tout ça, hein, mais il y a le Starlink en haut, donc il y a les instructions qui viennent d'en haut. C'est. Oh c'est fini. Nous sommes venus de par-delà les temps pour fonder sur cette terre notre berceau, notre colonie, nous qui avions tout perdu. Nous trouvons ici le repos, l'espoir d'un monde.